Ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd. Bienvenue dans cette vidéo spéciale Fashion Week entre guillemets, hein, parce que je vais pas les défiler, mais voilà, une semaine pendant la Fashion Week, vous allez voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous faire une vidéo, c'est très difficile, faut vivre le truc et puis en même temps faut filmer quoi, tu vois. Mais je vais essayer, je vous parlerai quand je pourrai vous parler. Là on est mardi, je suis en pleine préparation des sables de la semaine et c'est très compliqué, hein, parce que vous pouvez pas vous habiller n'importe comment, n'importe où, faut calculer, patati patata, enfin bref. C'est un casse-tête de s'habiller pour la Fashion Week entre guillemets. Il y a le match de NBA jeudi. Là on est mardi, ça commence demain pour moi. Vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer des images, hein. C'est pas, voilà. On va aller voir tout ça. Et là je suis en plein casse-tête, je vais vous montrer, j'essaye de faire mes tenues, là j'en ai déjà fait une. Je vais montrer, je vais tourner la caméra, hop. Voilà, c'est pas définitif, je ne suis pas habillé. Voilà, les chaussures sont pas lacées, le pantalon est mal rentré. Mais voilà, c'est juste pour réfléchir aux tenues que je vais faire. Ça, c'est pour demain, pour le défilé Blue Marble. Je pense que cette tenue-là, elle est pas mal. Il faut encore que je trouve quelque chose à mettre en haut. Ça, c'est la veste undercover que je vous ai montré dans ma vidéo Derniers Achats de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vue, bah, allez la regarder. Hein. Voilà, il y a plein de belles choses à voir. Vous-même, vous savez ceux qui l'ont vu. On fait pas semblant dans la chaîne de Tonton Gibbs. Puis, je suis en train de réfléchir à d'autres tenues. Donc là, je vais prendre la paire de Casablanca, voilà, Atlantis, avec la paire de chaussettes qui va avec. La Travis Scott Nike SB Dunk, avec la paire de chaussettes qui va avec. Je pense que pour le match de NBA, je vais sortir les Timberland, avec je pense la veste en cuir Supreme. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette veste. Ah ouais. La vidéo continue, j'espère que ça vous plaira. Pensez à mettre des likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, les amis. On parle de sap, mais de vrai sap. Hein, on essaye de se différencier un petit peu ici. Alors forcément, c'est un peu plus niche. Mais c'est comme ça. Voilà. Allez les amis, bisous. À tout à l'heure. Direction Blue Marble. On a tous eu la même chose. Oui, c'est moi, si ça peut vraiment ça. Mais en bas, mais en bas. Je sens rien du tout. Et Thierry, il casse des poteaux de parking. C'est la sécurité de Tonton Gibbs. Ouais, c'est clair. On a tous eu la même vidéo, on est tous venus chez qui? Qu'est-ce que c'est toute cette violence? Attention, madame. Un mètre de. Blue Marble. C'est le premier défilé Blue Marble de l'année. Forcément, on est en janvier 2023. Oh, mais fais pas des gros plans comme ça. Je me suis senti intimidée, j'ai reculé. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, super, super, super. Thank you.
après Blue Marble. Félicitations Anthony hein, si tu regardes cette vidéo. Puma, bon, il y avait une petite interview, on est arrivé en plein dedans donc on n'a pas trop pu communiquer avec les gens. Mais vous avez vu la nouvelle paire B-Ball, attention, paire B-Ball de Puma. Je l'ai touchée, je ne l'ai pas essayé, mais elle a l'air très confortable. Et là on se dirige vers rue Cambon, anciennement New Paris, pour la séance de signature de mon bouquin de 16h à 18h. On va voir, ça se trouve personne ne va venir, je ne sais pas. J'ai pas ramené mon bouquin en revanche. T'as pas ramené ton bouquin? Ah c'est vrai, je te l'ai pas donné encore. Ah bah sympa. Donc on va voir comment ça va se passer. Et après on va au 35-37, soirée ASICS, Awake. Voilà. C'est moi qui te remercie. Stanley, on a bossé ensemble à l'usine. On a travaillé dur. Ça fait plaisir. Les modules. On en a nettoyé des modules. Ah ouais. Vous reconnaissez Texaco? Je connaissais Gibbs. Ah, il est sur la couverture là. Il a coécrit le bouquin avec moi. Il a pas reçu son bouquin de Larousse, donc Larousse, si vous regardez la vidéo, il est venu me faire signer le livre qu'il a pas reçu. Sneaker Dan qui est passé, vous rappelez, Iyad, voilà, Fabrizio, vous rappelez, Ron, les amis du monde, voilà, ça fait la famille des tontons. La famille, c'est la famille. Ok, voilà, je voulais juste qu'ils soient dans la vidéo parce que c'est des copains. On est chez Madame Chaud, Sabrina. Là on est cuit, la journée était très très longue et on va manger un petit plat. Voilà. Si vous voulez un bon restaurant thaï à Paris, Madame Chaud. Non, on est mort. Normalement on a encore des soirées ce soir, mais je pense pas qu'on va y aller. Première étape de la journée, on mange. Des réformes de regard. Tu vas te faire. Il va se faire en bas. Je suis au bout du balance. On a une escorte qui nous accompagne. Une escorte spéciale, ouais. Faut marcher vite. Hein. C'est vachement. C'est sympa de leur part, quoi. Ouais, c'est sympa, merci les forces de l'ordre. Comme dirait Booba, il serait mieux que tes troupes se reculent. Gilet. Là, tu vas faire un blague avec des beaux commentaires off. Les voix off sont vraiment sympathiques. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai pris ça. La qualité, elle est ouf. J'espère que vous voyez l'empreinte de la personne qui a travaillé en sous-marin derrière ce projet. Si vous connaissez un peu la mode, vous sentez le truc. Et il y a des shorts, collection essentielle.
Maintenant, direction le match NBA, direction Bercy. Il fait froid, il neige. Et ouais, il neige. Incroyable. Merci d'accueillir le Dance Crew 100% Kids, la compagnie Jardy. Victor Wembanyama. C'est l'heure que l'on entend par une nation sport qui nous vient de Lille ce soir. Et un coach emblématique qui va vous pouvoir lui donner quelques conseils. Tony Parker avec nous ce soir. Chicago Bulls 126. Vendredi 20, encore une journée de Fashion Week. Un grand merci à StockX pour le match d'hier, c'était vraiment cool. Bon, c'était pas un match exceptionnel, il y a eu des belles actions. Et encore merci à StockX pour ça. Parce que c'est une chance de pouvoir assister à des matchs comme ça. Aujourd'hui, on va faire quelques showrooms. Et ce soir, on retrouve justement la team StockX dans un petit resto, petit comité, pour discuter ensemble tranquillement, quoi. Donc voilà pour cette journée. Je vais vous montrer tout ça. À plus tard. Ça marque Nomaloom, c'est très joli. Et je vous mets l'Instagram, ouais, surtout.
au défilé Gunther. Let's go. C'est original. Bah, ça fait comme quoi. C'est vrai. J'aime bien. C'est super. Ouais. Je vais le prendre. Mais de toute façon, si on ne prenait pas, il n'y aura plus qu'un cadeau. Ouais, j'aime bien. Et surtout, moi, ce que je trouve super aussi, c'est le côté ça. C'est très rare qu'on va chez Partisan. Avec tous les numéros. C'est quoi le concept un peu? Alors, donc le 10, c'est les chaussures. Ok. Voilà, après. Oh, c'est stylé. C'est stylé, après c'est extrêmement large, mais après c'est le spot quoi. Ouais. On est dimanche soir, on va chez Kiss, et obligé de faire une petite étape au Croco. Au Croco. Je suis avec Davassi et puis on va voir ce qui va se passer là-bas. C'est la ride, c'est la ride. Tonton Gibbs de la maison. Tonton Gibbs de la maison. Ça c'est Tonton Gibbs de la maison. Tonton Gibbs c'est mon frère, c'est mon ami. Dieu le préserve. Et vous savez quoi? J'aurai de la chasse. Let's go. Peace and love, peace and gloves.